L'année prochaine. Champion du monde 2000, c'est Marilyn Menveig à l'accordéon qu'on retrouve tout de suite sur le plateau de Tea Time pour un titre Sentimental Vals. Marilyn. Marilyn, championne du monde 2000 d'accordéon, qui était avec nous sur ce plateau d'Anti-Time. Alors, c'est son grand-père qui m'a téléphoné cette semaine en me disant « Ah, vous venez à Saint-Louis et vous prenez pas ma petite fille, elle est championne du monde. » J'ai dit « Si elle est championne du monde, il faut absolument qu'elle vienne. » Et elle est là, et on en est très heureux. Alors, elle a à peine 17 ans. Hein. Bah, je suis toujours étonné, parce que l'accordéon, on fait passer ça pour un instrument un peu, dire, vieillot. Et quand on regarde la télé en ce moment, on voit que des jeunes jouer. Mais c'est toujours des jeunes, voire des très jeunes. Hein. Il faut dire que son papa est prof d'accordéon. Oui, il enseigne à Saint-Louis. Voilà. Et c'est lui qui a composé le titre qu'on a entendu ici. Ouais. Sentimental Vals. Qui en a composé quelques-uns sur cet album. Alors, j'ai dit championne du monde, ça c'est tout récent, ça date du mois d'octobre, mais vous avez déjà gagné X championnats avant. Hein. Oui, j'ai gagné l'étoile d'or de l'accordéon. Mm-hmm. Ça se passait au Zénith de Paris, en 1997. Et j'ai gagné plein de prix, des prix télévisés aussi, mm-hmm. comme la Schlagerparade der Volksmusik. Qui était en Allemagne. Ça, c'est pas chez nous, oui, c'est ce que j'allais dire. Mais ils aiment bien, ils ont raison. Mais nul n'est prophète dans son pays. Alors, en tous les cas, championne du monde, ça, c'est bien quand même. Alors, c'est une section, excusez-moi, il faut que je regarde, section variété virtuose, ouais. Hein, parce qu'il y a comme ça des classifications très particulières. Alors, vous jouez ici et là, j'imagine que vous allez jouer ici, à Saint-Louis. Ben, j'espère, peut-être. Ben, je me suis produit avec James Last, mm-hmm. qui était... je suis partie en tournée avec lui en janvier. J'ai joué... Comme quoi, il joue encore, James Last. Oui. Ah, moi, je croyais qu'il s'était retiré en Floride. Mais non, il revient non, de temps en temps. Il habite là-bas, mais oui, il fait des concerts. J'ai fait une tournée avec lui. Je fais des anniversaires, des galas, par-ci, par-là. Écoutez, on vous souhaite en tous les cas une longue route avec votre accordéon. Je rappelle, ce CD, c'est le premier, non? Même non, pas, non, hein. c'est je ne sais plus combien j'en ai fait. Oui, il y en a déjà quelques-uns. Hein. Papa l'a fait travailler. Attends, elle a 17 ans, elle a déjà pile comme ça. En tous les cas, oui. C'est le dernier, ça. C'est Marilyn, champion of the world ouais. 2000, hein, avec 11 titres. Ouais. Et merci d'être venu nous rendre visite. Merci. Vous parlez alsacien? Oui. Comment est-ce qu'on dit foie gras en alsacien? Oh, ça, je sais pas. Ah. Ben vous restez encore 2 minutes, on va regarder Mademoiselle Moi, Mandel. Je croyais que ça voulait dire laveur de gants, gancel non, laveur. Non, ça veut dire tout à fait autre chose. Mademoiselle Mamsel Gänselèvre, c'est de saison.